Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur FIFA 14, la carrière avec le RC Lens. Et aujourd'hui donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin en plein mercato d'hiver. Donc on aura un match aujourd'hui contre Sochaux qui sera un match résumé. On aura un match de coupe contre Toulouse qu'on jouera, parce que c'est un match de coupe. Et la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Lille, le choc. Lance Lille, comme il y en a eu beaucoup auparavant, le choc Lance Lille pour une place en finale de Coupe de la Ligue. Il y a qui c'est d'autres qui jouent? Montpellier, Lorient. Alors, on a pris la plus grosse, hein. des trois équipes qui avaient en face de nous, on a pris la plus grosse. Enfin bon. Donc on verra bien. Donc on fera donc Toulouse et Lille en match en direct. Et ce match contre Sochaux sera donc en résumé. Alors j'ai lancé quelques. J'ai demandé d'ailleurs quel était le prix pour certains joueurs, certains défenseurs gauche pour remplacer Monsieur Ball, qui est le plus âgé de l'équipe, avec 29 ans. Donc pour voir si je pouvais pas trouver quelqu'un de bien pour le remplacer. Donc on verra ça après ce match. Donc on va jouer de cette couleur là, ils vont jouer en blanc, ça leur va très très bien. Et je vais vous dire à tout de suite pour le résumé de ce match contre Sochaux. Et on se retrouve donc pour le résumé de ce match contre Sochaux avec une occasion vers la 16e minute. Milik qui va passer à Cyprien et la frappe de Cyprien est repoussée par le gardien. 27e minute, le gardien qui relance mal sur mon joueur Magenis qui va faire une passe pour Milik qui est un petit peu trop longue. Milik qui va quand même faire la frappe et qui sera repoussé cette fois-ci par le poteau. 44e minute, Magenis qui va faire un bon travail avec Cyprien qui va le relancer dans l'axe. Un bon 1-2 là. Magenis va se présenter face au gardien, bon face à face, il va rater son face à face juste avant la mi-temps. En seconde période, sur cette bonne passe de Barcina à Milik. Milik encore une fois qui croise trop sa frappe et qui rate. Dommage parce que là il y avait une bonne occasion encore une fois. Milik qui s'était bien émerdé. 52e minute, regardez, Azès va récupérer le ballon, il va s'arrêter parce que ça se ferme. Il va perdre un peu le ballon, mais Barcina, il va le passer à Barcina sur le côté. La frappe de Barcina pour l'ouverture du score à la 55e minute, le but de Barcina. Un beau but bien sympathique, hein. Après un bon travail d'Azès qui a quand même gardé le ballon malgré que c'est fait bouger. Et la bonne frappe de Barcina. 57e minute, un coup franc pour Sochaux avec un tiré par Boudbouz qui ma foi très très bien tiré. Et qui passera à côté de peu. Parce que là je pense que le gardien était battu. Mon gardien était battu là. Et ça passe de peu à côté. 67e minute, Egon sur le côté. Qui a fait un bon appel et qui est parti. Qui va faire un centre pour la tête de Milik. Mais une nouvelle fois Milik qui va rater, qui va encore trop croiser sa tête. Et qui va mettre une tête n'importe où. Mopé qui est rentré en cours de match. Il va faire une bonne passe à Egon là, qui est bien placé. Egon la frappe, mais c'est repoussé par le gardien. En fin de match, un corner pour Johnson, pour la tête, et la tête qui sera repoussée par le poteau. Et ce sera fini comme ça, voilà, un petit but de Barcina qui nous a permis de remporter ce match face à Sochaux. Heureux, on se retrouve après ce match contre Sochaux qui a été ma foi un peu tendu malgré les stats. Hein. C'est vrai que Sochaux, quand ils avaient le ballon, ils étaient quand même assez dangereux finalement. Ils m'ont pas mal fait galérer, mais ont finalement gagné un petit but à zéro, un but de Barcina. Un beau but de Barcina. Et Mopé n'a pas marqué son but en rentrant. Je vais enlever 1000 euros sur son salaire. Je vais enlever 1000 euros sur son salaire, c'est dégueulasse. Il n'a pas le droit de pas marquer quand il rentre. Ce garçon, maintenant, il nous a habitués. Donc on a demandé. Ouais, ça fait un peu cher. Mais surtout pour un mec qui est blessé. Le mec, il est blessé pendant 3 mois et il vaut 17,5 millions. Quoi. 12,5 millions, ça fait un peu cher. 3 millions, ah par contre. Ah ça vaut le coup. 12 millions, ok. Voilà, par contre, je serais pas contre de faire une petite... 45 000 de salaire, d'accord. Tu ne faudrais pas appeler ma gueule. Je te donne la moitié. 1,5 million. Plus.
mec qui balance ses vieux joueurs. Plus Nicolas Saint-Ruf, on l'avait déjà proposé. On veut se prendre un DG, mais alors j'ai pas de DG. Des DG pour Rav à balancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, plus Ronald Arce. Ouais, ça vaut le coup. Signe tout de suite, mon garçon, ça vaut le coup. Ouais, franchement. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure offre que ça, quoi? Rof, il va partir, ça c'est bon. Touré et Lega, il faudrait que je les vende aussi. Ouais. À la Sainte Touré, il faudrait que. Si on refuse, je proposerai Touré à la place. Offre inacceptable. Sympa. D'accord. D'accord. Avec Santo, 12 millions. Là, j'ai trouvé même 6 millions. 6 millions 5. Conférence de presse. La conférence de presse, on va jouer contre Tolos. Et on va se motiver. Parce qu'on a besoin de motivation. On va tenter le Jethro Williams. Il a que 21 ans. Je t'en donne la moitié. Il gagne 25 000 en plus. Non, je suis trop radin pour t'en donner la moitié. Je t'en donne que 2 millions. Je suis sûr que c'est même pas sa vraie valeur. À propos du poste de Parker. Va te faire foutre. L'offre est inacceptable. Bon, ben justement, il vient de se proposer Julien Legate plus 200 000. Ouais, c'est une offre plus que généreuse. Le mec, il vaut 300 000. Allez. Ah oui, il faut que je note ma liste. Pourquoi? Pour les prochains matchs amicaux, d'accord. Proposition de transfert. Ah bah t'as justement. Ça t'adore ta vie ici. On a vendu Dimitri Cavaré à Guingamp. Ça fait plaisir. Barcelone a accepté. Ah bah ça. 1 million plus Nicolas Saint-Ruf. Il va dire qu'il adore sa vie là-bas. Je te mets joueur de rotation d'effectif. Tu joues dans une équipe de première division. T'as pas m'emmerder. Joueur vendu, ok. Proposition de contrat refusée. T'as pas m'emmerder, toi. T'adores ta vie ici. 4 ans. Titulaire important. 25 000. Oui, bah ça on verra plus tard. Julien Leguette, c'est quoi sa proposition de transfert? On va attendre. Je vais attendre la réponse, même si je pense que ça va être mort. Ah merde, on a le match contre Toulouse de suite. Bon, bah on va jouer ce match contre Toulouse. Donc j'ai fait reposer mon équipe type dans le match précédent. Donc on joue contre Toulouse avec toutes nos forces. Par contre, on a le match contre Lille qui est dans 3 jours. Et en 3 jours, du coup, on fera un petit mix. Un petit mix Max Mooks de l'attaque. Et on va jouer comme ça. Ils vont jouer comme ça me paraît très bien. L'équipe est comment? L'équipe est bien. On va. Ducasse, et c'est bon, hein. Il est ok, Ducasse, hein. Pas de problème. Et bien, on va réintégrer Ducasse à la formation de base. Et maintenant, ça va chier. Ça va chier. On va Ducasse ici. Et on va sortir Villareil pour mettre Azèze. Et voilà, on a du re-Ducasse sur le terrain. Alors là, ça va chier. Ducasse, Villalva, Sali. Ça me paraît bien. Après, ils sont un petit peu crevés, les remplaçants. Mopé n'a pas beaucoup joué. Donc, on va mettre Mopé sur la feuille à la place de Milik. Ah, Magadis, c'est plus rapide que Milik, d'accord. Ah ouais. Il a plus de force en plus. Il est rapide et il a de la force, dis donc. On va le garder, monsieur Magenis. Et on voit que Ludovic Ball est le seul joueur qui n'a pas une flèche vers le haut. C'est normal, il commence un peu à avoir l'âge. Malgré qu'il soit très rapide et très endurant. Et ouais. Malgré ça, le petit loulou commence un petit peu à se faire âgé. Donc on va jouer ce match contre Toulouse. On a un petit peu galéré dans le match contre Sochaux. Alors j'espère que ça ira mieux avec la A. Hop là. J'ai raté une porte. Coupe de France. Bonjour, Ah, en plus, bienvenue il au club neige. aujourd'hui. Je suis N'importe quoi. Franck Sauzet pour Il neige à présenter cette Toulouse. rencontre. Non mais déjà, pour qu'il neige dans le Aujourd'hui, nous sud. accueillons une opposition de Toulouse, l'ancien club de Pour Lens. qu'il neige dans le sud comme ça, quand même, il faut y aller, hein.
Ça arrive pas souvent. Ils auraient pas pu fermer le toit. Ils ne peuvent pas fermer le toit. On n'a pas les moyens d'avoir un toit qui se referme. Oula, le mec il a totalement. Oula, comment je l'ai gêné. Comment je l'ai gêné. Tripoyac. Bien joué. Attention à cette glissade sur ce tacle dans des conditions vraiment difficiles. Ouh, Villal va. Comment il s'est retourné rapidement, j'aime ça. Ah, il espérait passer sur le côté, mais il s'est fait prendre. Il s'est fait couper l'aile. Ouh, wow. Johnson, la frappe de Johnson juste à côté. La frappe de Johnson juste à côté. La bonne passe de Chérichev là. Où est-ce qu'était Villalva? Du coup, parce que si Johnson était là. Ali Hamada, et oui, Hamada qui se retrouve face à ses anciens coéquipiers, effectivement. Et ouais. Et il est très très bon le gardien, hein, bien fait de l'acheter. Hein. Tout ce qu'on peut, tout ce que je peux vous dire, messieurs de Toulouse. Très très bon gardien à Toulouse. Hein. Merde, j'ai fait de la merde. Ça, ça va sortir. Allez, touche pour nous. Qu'est-ce que tu fais là, Wait. On va attendre qu'il revienne tranquillement. Ducasse, voilà. Pour Chérichev. Putain, mais. C'est quoi ces interceptions qu'ils me font là? Gunning, toujours impeccable ce Gunning. On va lui donner une médaille à la fin de la saison. Pour le monsieur le plus utile qui m'a rien coûté. Oh la bonne passe pour Johnson. Johnson, Johnson qui va retenter la frappe. Putain, il me fait la même que tout à l'heure. Il me fait la même que tout à l'heure, Johnson. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois, Johnson. La prochaine fois, je la croise. Tant pis. Tant pis, tant pis. La prochaine fois, je la croise. Alors ça, dans le genre la passe pour l'adversaire, c'était pas mal, ça. Allez, on va remonter le terrain. C'était pas pour là, c'était directement pour Sally. Non, c'était pas pour là non plus, non. C'était plutôt pour devant. Comment ça, il y a un avantage? Un avantage de rien du tout. Oh le salaud. Oh le salaud. Allez. Villalva et Sally qui ont échangé leur place. Hop là, la repasse pour Villalva de l'autre côté. Villalva qui va s'en sortir. Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est bien joué ça. Ducasse. Ouh, Ducasse la frappe qui partait pas trop mal. Hein, partait pas trop mal, mais elle a été contrée. Dommage. Dommage, dommage. Et là, j'ai beaucoup de joueurs qui sont. Qui sont partis devant. Ouh, parfaite. Parfait. La paf de Romagnoli, là, elle était juste au millimètre. Bien joué. Il est pas hors jeu. Putain. Il est hors jeu. Eh ouais, putain, Johnson. Chavaria, t'es trop rapide. T'es trop rapide. T'es trop rapide, mon petit loulou. Ça va pas, ça. Non, je plaisante, hein. On est. Oh, il a vu la main. Comment gagner 40 mètres sur. Oh, ça. Ça. Ça, je sens qu'il va me le. Non, c'est bon. Oh. Oh là, il n'y a pas faute là. C'était plus qu'un contact, simple contact, ça. Le mec il boum, il me fout à terre Villalva et puis non, 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 rien. Appliquez-vous les gars sur les passes hein, parce que là ça va, ça. Oh putain, Johnson qui a été gêné là.
Ah, il a de la chance lui de faire sa passe. Charitchev sur le côté. C'est quoi ça? Et c'est la mi-temps. Comment ça se fait que Villalba il a perdu le ballon, il avait le ballon et d'un coup hop, c'est comme si c'était pris un coup dans la cheville, un truc comme ça. Allez. Ils sont à égalité, mais non. Mais non. On va passer en offensif. Ça manque encore de rapidité, je trouve. Pierre Descasse. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, c'était pas pour là, c'était pour Villalba qui était très très bien placé, ma foi. Putain, comment il peut se faire piquer le ballon comme ça, Villalba là. Pierre Descasse. Non, cette passe du Casse. Oh, la faute. La faute est un beau petit carton, ça. Psycho-quack, non, cric. Psycho-quack. Alors on va tenter le direct, même si je suis, voilà. C'est dur, hein. Je sais pas comment ils font là, pour marquer des mines comme ça de loin. C'est dur, hein. Franchement, c'est vachement dur. Hein. Allez, ça c'est bien joué. Non! Il peut pas être hors jeu, il était sur la ligne. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Non, il est pas hors jeu, c'est bien ce qui me semblait. Putain, les salauds, ils vont nous faire aller jusqu'aux prolongations, ces bâtards. Et c'est moi qui fais la tête et ben non. Mais en fait non. Bon, c'est bien, Dunson. T'as bien embêté le garçon. Bah, il tombait tout seul, monsieur l'arbitre. Hein. Putain, les gars, là. Avancez. Putain, mais c'est quoi cette passe du Casse? Encore plus loin. Encore plus loin, la passe, mon garçon. Là. Oh là 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 là, la chance. La chance. J'allais faire la frappe de Villalba, mais il était pas assez rapide. Pas été assez rapide là. Oula. La glissade de balle. Allez, balle. Putain, mais... Sur cette interception, bien joué. Ah, toujours aussi précis hein, dans ses passes. Allez, ça c'est bien joué, ça. Ça c'est bien. Putain, Ducasse, t'es parti où là? Il est parti en dehors de la trajectoire du ballon là, alors que là il aurait pu l'avoir là. On est d'accord. J'ai senti totalement partir à l'ouest en fait. Putain, c'est pas bon ça. C'est pas bon parce que là on n'arrive pas à... On n'arrive pas à faire la diff là. Putain, mais. Et Villalba qui se fait charcuter là, sans qu'il ait le ballon. Allez, allez les gars là. C'est sorti ça. Allez. Non, c'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe? Qui c'est qui m'a fait cette merde là? C'est qui m'a fait cette merde là? Jamais j'ai demandé un truc comme ça. Jamais j'ai demandé une passe là-bas. Il demandait de passe devant à Sally. Et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Une passe de 45 mètres à l'autre bout de la planète là. Allez, ça c'est bien joué ça. Allez, mais. Putain, mais chéri chef, qu'est-ce que t'as quoi? Sorti! Voilà.
Putain, tout à l'heure contre Sochaux, je me suis fait guaquer comme ça parce que c'était sorti. Moi, je l'avais vu sortir et en fait, c'était pas sorti. Alors du coup, bah, ils ont... Sally, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est quoi cette remise de la tête là? Non. Putain. Ah putain. On va jouer les prolongations. On va jouer les prolongations. Alors ce qu'on va faire. Quoi? Il peut jouer BU et défenseur droit? D'accord. D'accord. BU et AT et il peut jouer BU et AD. Parsina peut jouer MOC. Nimi peut jouer AT. Alors on va faire un petit changement. On va faire... Un comme ça. Johnson, tu as combien en... Tu as combien en penalty? Parce qu'il faut déjà se prévoir ça. 77. 67, non. Merde, 54. Fais chier. Cherichev à gauche, Chavaria à droite, Johnson en défensif. Non, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va mettre placer Johnson à MOC. Parce que Johnson il est bon, il fait des trucs bien. Donc, et c'est un bon défenseur du CAS. Donc. Allez, putain, mais les gars, vous avancez plus, là. Vous êtes passé le mot avec Layton ou quoi? Faites de la merde en ce moment. Regardez Villalba, il est parti où son explosivité à Villalba, là? Parce que là, je la vois plus, moi. Putain, là, j'ai aucun espace, hein. Ah putain, le mec il met le pied, con. Ah. Ah le salaud. Ah. Ah le salaud, le chanceux, le châteux quoi. Le châteux. Putain, on va finir en pénalty, j'en suis quasi sûr. Allez. Oh non! Non! Alors là, l'arbitre est un bâtard. Alors là, vous avez vu ça? Ça, c'est salaud, ça. Vous avez vu un peu? C'est dégueulasse. Quand je pars en contre-attaque, l'arbitre, il me siffle la mi-temps, là, quoi. Alors que j'étais pas hors-jeu. Alors je suis sûr à 100% de pas être hors-jeu parce que Johnson il était très bien placé. Il faisait bien la course, il était en train de guaquer la défense. Je me suis fait baiser là. Eh. Putain mais allez quoi. Putain les mecs ils ont le ballon qui leur colle au pied quoi. Ce Adrien Agatin là il me fait mal hein. Putain mais c'est quoi ces murs là? Putain, les mecs, c'est des murs, quoi. Allez. Ouais, ça, j'en étais sûr, ça. Ça, j'en étais sûr que ça allait pas passer. Oh. Ça c'est totalement honteux ça. Putain mais c'est quoi cette passe quoi?
Chérichev, quoi, t'as déconné. T'as déconné, Chérichev, quoi. Le centre est contré. Ouais, le centre est contré, ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon. Je sens que je sens que je vais prendre un but. Je sens que je vais prendre un but totalement honteux. Allez, on dégage. En plus, j'ai pas de cul, moi, sur les pénalties. Voilà. Voilà, j'en étais sûr. Putain, on n'a pas su faire la différence face à Toulouse. Putain, 5 tirs, 4 cadrés, quoi. Pourtant, on aurait pu. Hein. Penalty. Putain, ils ont des bons en penalty. Ouais, ils ont des bons penalty. Allez. Oh le salaud, la Panenka, le bâtard. Putain, il a une tête bizarre. On dirait un mort vivant. Il va me l'arrêter. Non, c'est bon. Je suis nul au penalty, alors je peux considérer que je suis éliminé. Oh, bien joué. Bien joué, Amada. Bien joué, Amada. Allez, contre-pied. C'est vrai que c'est aléatoire quand même, les pénalties. Oh, il a totalement raté. 3 à... Ça fait 2... Ça fait combien? 2 à... Si balle le marque, ça fera... Voilà, c'est contre-pied encore une fois. Ça fait 3 à 1. 3 pénalties à 1. Allez. Allez, Amada. Amada contre Ninkov. Ninkov et l'arrêt d'Amada. L'arrêt d'Amada pour la qualification en 8e de finale de Coupe de France. L'arrêt d'Amada, magnifique. On n'a pas su faire la diff dans le temps normal. Et ça s'est fini au pénalty. 3 pénalties à 1 d'ailleurs. Le bon arrêt d'Amada qui nous a sauvés. Voilà, 3 pénalties à 1. Ça fait chier quand même. Hein, ça fait chier qu'on n'ait pas mis de but. On attend qu'on a un autre match de coupe juste après. Alors, on a 9 messages. Oulala, ça a chié. D'accord. Bah, tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux. Ils sont pas intéressés, merde. Putain, il adore sa vie ici. Lui, il aurait accepté, d'accord. Bon, j'avais proposé qui? Ars. Retirer Ars. Sans Ars et avec... non, pas de mignon. S'il te plaît, pas de mignon. 1 750. 45 000 de salaire quand même, le salaud. Transfert rejeté. Ce joueur est trop performant pour nous. D'accord, comme ça c'est dit. Comme ça c'est dit. Donc on a Grimaldo qui serait chaud pour être là. Et je tiens pas mes engagements. Daniel Johnson dit que je ne tiens pas mes engagements parce que je ne le fais pas assez jouer. C'est ça qu'il a l'air de dire. Ah oui, l'autre, tiens, l'autre, il nous a refusé, c'est vrai, là. Je vois, et suis le refus de ce bâtard, là. Titulaire important, alors. Putain, le mec, on a réussi à... Putain, leur refiler off, ils ont accepté, et ce salaud, maintenant, il veut pas, là. Alors, ça y est, pour 30 000, il a accepté, ce salaud. 3 millions 8, tu fous de ma gueule. Alors, conférence de presse. On va... Coupe de la Ligue, on va louer Lens. Coupe de la Ligue, match décalé. Ok. C'est génial. C'est génial, ça va changer ma vie, ça. Donc, ça y est, Rof est parti. Et nous avons un nouvel arrivant. La personne de ce monsieur-là. Toi, tu vas attendre encore un peu. La nouvelle recrue. On va voir qu'est-ce que ça vaut tout ça. Alors, il est où, ce garçon-là? Il est où? Il est où, la petite loulou? Il est où? Il doit être tout là-haut. Non. Il est parti où? Et je l'ai raté. Il est où?
J'ai plus Rof, on est d'accord? Tiens, on va directement changer le. On va remettre le Ducasse ici et le Azaz sur le banc. Par contre, je viens pas de me faire fouffer un joueur là. Ah, il est là, putain. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur, le salaud. J'ai cru qu'il m'avait fouffé, mon joueur. Oh les bâtards. À la place de Barcina. À la place de Barcina. Et on va le tester. On va le tester sur ce prochain match, ce garçon-là, là. Berardi, qu'on m'a conseillé, ce garçon-là. Et ben ça y est, je l'ai. Donc. On a encore plein de sous. Et on avait... Ok. Il a accepté, transfert inacceptable, 3,8 millions. Tu m'as dit 3 millions au début, je te donne 2 millions. 45 000 de salaire, ça me fait chier pas. Qui c'est qui a après qui m'avait. Je t'avais demandé, tiens, à mon recruteur. Monsieur. Là. Kristen, ouais. Le meilleur, le bon. Pas le bon, pas le mauvais. Qui me fasse un rapport. Ça, il me l'avait déjà fait. Ça, il me l'avait déjà fait. Donc il n'a pas encore fait, fait tous ses rapports. Pourquoi j'ai mis des DG? Ah oui, c'est des DG que j'ai. Ça y est, je sais plus. Tiens, intérêt porté pour Ajaccio. Par Ajaccio. Ouais. Ouais, ben on va attendre un tout petit peu. On va attendre un tout petit peu. Ben, et on va se lancer, on va avancer un tout petit peu. On va voir qu'est-ce que... Proposition de transfert. Ronald Arce. J'accepte. Les Rangers, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Inacceptable, 3 millions 8. Ma gueule. Ça. 2 millions 5. 2 millions 5, attention, c'est mon dernier prix. Il peut jouer défenseur gauche, ce garçon. C'est pour ça que je vais le prendre. Et là, le même général que Ball. Transfert accepté, 2 millions 5. Bon, bah tu vois quand tu veux. Alors, attends, tu me laisses des petites secondes. Joueur vendu. Bon vendu, Ronald Arce. On a toujours... combien il coûte combien il coûte... comment il s'appelle? Attends, il est où? Je vais le retrouver là. Dans les négociations de transfert, négociations en cours, Grimaldo, 1 million alors. Alors estimé 500 000. Il vaut 1 million. Bah là, on va aller se faire foutre. Donc, donc on avait dit 1 million. Ok, donc il faut qu'on garde... Ouais, ça va. Largement de quoi le faire. Même comme ça, c'est bon. Même comme ça, c'est bon. Et... oui, on voulait le bureau, les mails et le transfert accepté de 45 000. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il va pas être content. Qui va me faire chier. Voilà. Je suis sûr qu'il va m'emmerder. Ce salaud. Il est très attendu pour ses débuts. Eh ben oui, il est très attendu pour ses débuts, le garçon. Et on va directement jouer le Gouac. On va jouer le Gouac en première intention. Et on va le faire jouer. Voilà. Le Gouac en première intention, c'est ça. J'ai en acheté le joueur, je sais même pas qu'est-ce qu'il vaut, rien à foutre. Je le fais jouer. En italien. Bordel. Et on va jouer avec l'équipe l'équipe qui est en forme. Putain, ils ont joué il y a 4 jours et ils sont en forme. On va peut-être mettre Jedvage en remplacement. Ouais, on a déjà Chavaria, donc du coup... Et je me suis enlevé. J'enlève qui? J'enlève qui? Il me faut quelqu'un pour me mettre du Barcina. Parce que j'ai personne pour remplacer Sherid Chef si jamais il devait mourir. Sur le terrain, sait-on jamais. On va faire ça. Ça, et à la place de Magenis, je vais faire entrer Mopé. Voilà. Et je pense qu'on va y aller comme ça. Je garde Jedvage parce que je vois que Romagnoli est un poil fatigué déjà.
Et re, voilà, on se retrouve. J'ai eu un petit bug, voilà, quand j'ai lancé le match précédent, enfin le match contre Lille, j'ai eu un bug, mon jeu il a planté. Ça arrive à cause des mods qui créent de l'instabilité, tout ça, machin chose. Donc voilà, ça a bugué. Alors que je gagnais 1-0 en plus, ça, c'est ça qui fout les boules, donc je suis obligé de refaire le match. Je refais tout ce que j'avais avant, tout ce que j'avais fait avant. J'ai dû le refaire hein, parce que la dernière sauvegarde, c'était la sauvegarde auto qui était au match de, à la fin du match contre Toulouse. Donc j'ai été niqué. Donc j'espère que ça ne rebuggera pas. Ce dernier match contre Lille. Et voilà. Donc, allez, on va essayer de faire pareil que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on avait marqué à la 37e minute un but de Sally. Sur une magnifique passe de Johnson en plus. C'était beau à voir. C'était beau à voir. La frappe. Et le but. Et le but de Berardi. Putain, je croyais que c'était Chavarri. Le but de Berardi dès la 4e. Ben, on commence mieux que le match précédent, ça fait plaisir. Le but de Berardi dès la 4e minute. Après une bonne course sur le côté droit et la bonne patate pour aller tromper Vermeer. Magnifique. Ben, il commence bien, il fait ses bons débuts. Lui. Il fait ses bons débuts, le garçon. Il commence à la 4e minute, il me plante un but, ça fait plaisir. Surtout qu'il avait un très très bon placement. Il avait fait la bonne course. Allez. Commence pas à me faire des gris-gris, toi, hein. Ça s'approche. Voilà. Comment ça, faute? Comment ça, faute? Oh, putain, là, il va la mettre. Là, ça sent qu'il va la mettre. Ouh, Amada. Ouh, Amada. Elle était cadrée, en plus. On va la regarder au ralenti, parce que ça me semble qu'il était bien cadré. Ouais, ouais. Ah non, 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 elle était très très bien jouée. Il a rien à se reprocher, le monsieur Martin. Parce que. La tête qui est dans les bras d'Amada. On va dégager là-haut. Berardi, le buteur. Allez, ça c'est bien joué ça. Ça repart bien ça. Ça repart bien dans l'axe. Oh non! Cette passe de merde! Cette passe de merde, chéri chef! Cette passe de merde, t'as pas honte? T'as pas honte? Oh non, salut, t'as pas honte, ton contrôle de balle. Tu dois pas pousser ton ballon 10 mètres trop loin comme ça. T'as pas le droit, t'as pas le droit mon garçon, t'as pas le droit. Ça part sur l'aile. Cherichev qui empêche de jouer. Bien joué, le tacle était parfait. Johnson qui se trouve. Et la frappe. Oh, oh le salaud, l'égalisation de Thauvin. Putain, sur une mauvaise relance de Johnson, là, il est allé me faire la passe en plein milieu du défenseur, là. C'est salaud, c'est salaud. C'est salaud. Ah, Salé qui garde le ballon. Salé qui lance sur Berardi là-haut. Berardi qui s'arrête. Berardi le centre pour la tête de Villalba. Donc il ne donnera rien. Allez, ça va repartir. Sur balle. Putain, on se retrouve en infériorité numérique là. Magnifique, magnifique, le tacle était parfait. Oh putain, mais Sally, quoi. Si je te fais le ballon, quoi. Quoi? Oh quoi? Non, 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 c'est dégueulasse. Ah, oh, c'est dégueulasse la faute là. Oh, elle est totalement dégueulasse la faute. Parce que là, il y a pas du tout de faute là. Il y a pas du tout de faute en plus, tu sais, le mec il y va au contact normal quoi. Putain, mais deux fois je récupère le ballon. Oula, il a failli me faire un attentat le garçon là. Regardez, ils courent tous plus vite que Cherichev. Pourtant Cherichev c'est pas une merde quoi. Qu'est-ce qu'ils ont là? Ils ont bouffé du Red Bull là. Ils ont bouffé du Red Bull les salauds. Allez pour Villalba.
Bien lancé, ça, c'est bien lancé pour Berardi qui est gêné. Et la frappe de Berardi pour le doublé à la 41e minute de Berardi. Le doublé de Berardi à la 41e minute sur une bonne ouverture de Villalba. Putain, il fait le taf. Il fait le taf, ce garçon, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. En plus, il a été honteusement gêné. Il y avait faute, là. Il y avait pénalty, là, en plus. Et ça n'a même pas été sifflé. Et il y avait quand même une annihilation totale d'occasion de but, là. Hein, c'est genre, non, tu frappes pas. Tu frappes pas. Je te fais une faute. C'est honteux, mais tu frappes pas. Par contre, Cheretchev, là, mon... Oh! Là, j'ai fait un peu de la merde parce que j'avais lancé une passe et je voulais l'annuler. Du casse, c'est quand tu veux. Waouh, comment il peut faire ça, le mec? Comment il peut faire ça, Tovin? Comment il peut se sortir le ballon comme ça? C'est impossible. Totalement irréaliste. La défense qui récupère. Qu'est-ce que tu me fais une talonnade, Johnson? En plus, il l'a fait à deux à l'heure, tu sais. On a de la chance qu'il te paye intercepté. Allez, 2-1. Un doublé de Berardi, magnifique. Ça fait plaisir, ce garçon. 3 tirs, 3 cadrés partout. Et on a quand même 2-1. C'est un match au sommet. C'est un match au sommet. Putain, là, on aurait pu la récupérer. Allez, Berardi. Tu vas trouver Ligione sur le côté. Sur le côté droit encore. L'attaque qui vient du côté droit. Le centre. Peut-être pour la tête de Saline. Ah, ça c'est bien. Il fallait dégager ce ballon. Il fallait peut-être venir en soutien pour l'aider. Allez, ça c'est bien joué. Il récupère le ballon. Allez, il est hors jeu, Saline. Ah non, il est pas hors jeu en plus. Oh non, Johnson. Non, le ballon, tu l'as dans les pieds. Tu le laisses partir comme ça. Oh, le centre dans la surface qui est pour personne là. Cheretchev, il va pas bien là. Lui qui me fait des très bons matchs d'habitude. L'équipe à domicile qui aura bientôt effectué un changement. Allez, Ducasse, c'est pas un joueur de côté, pas assez rapide pour ça. Allez, Berardi qui va relancer sur Sali. Ça c'est trop en profondeur, mais. Il a fait une main là pour contrôler, monsieur l'arbitre. Il a fait une main, le Lillois, pour contrôler son ballon là. Oh, balle, t'as déconné là. Ça va partir en bas, ça. Oh, ne fais pas des lags comme ça le jeu là. Djordjevic ? Vous achetez Djordjevic ? Ok. Putain, à chaque fois ça se joue à peu. Et c'est dégagé, mais c'est mal dégagé par Johnson, qui fait des trucs pas très pas top. Hein. Waouh, magnifique ! Magnifique, ça c'était une bien belle... Putain, Sali. Va lancer en bas sur Berardi, qui va relancer sur Villalba. Villalba qui va lancer sur Ligione. Ligione qui va relancer sur Villalba, qui est parti dans l'axe. Villalba la frappe. Et le but de Villalba, qui vient mettre le chaos dans la défense lilloise. Le 3-1. Villalba à la 74e minute sur un bon travail sur le côté, droit encore une fois. Bonne passe décisive de Ligione là. Et la grosse patate de Villalba qui vient tromper Vermeer. 3-1. 3-1. T'as eu plaisir. Ça fait plaisir. On pensait que le Racing Club de Lens serait accroché dans ce match. Ce n'est pas vraiment le cas. Allez, la bonne passe pour Johnson. La frappe de Johnson. Ouh, et Vermeer qui est sur le coup là. Parce que là, c'était le chaos là. Là, c'était le chaos. Il avait en plus. J'avais bien fait l'enchaînement et tout. Et la bonne frappe. Mais Vermeer était sur le coup. Ils étaient bien placés. Il avait anticipé ce coup là.
et un changement. Johnson pour la tête de Gunning qui est totalement gêné dans la surface là. Et totalement poussé. Je suis désolé. Désolé, monsieur l'arbitre. L'arbitre ouvre les yeux. Allez, Kalou qui est parti. Sally qui a sa poursuite. Sally qui s'est à moitié arrêté en fait. Ouh. Heureusement qu'il a pas pris le tacle parce que là c'était le jaune. Allez, Ludovic Ball. Ça, ça va sortir. Sortie de but. De la place qui va en faire. Pour faire entrer Nolan Roux. Ils vont faire entrer de l'attaque. Et ils sont en demi-finale. Allez, Villalva, pardon. Putain, j'aurais dû tenter à partir avec Villalva. J'aurais pu en plus. J'aurais pu, mais j'ai voulu la jouer trop collectif là. Allez, Berardi qui nous a fait un excellent match. Oh! Et c'est fini, mais c'est la qualification. Alors qu'on aurait pu récupérer là. Faire une bonne dernière occasion de Cheryshev sur le côté. Bon, et voilà, victoire 3 buts à 1 contre le LOSC. Ça n'a pas été un match facile. Ça a été un match tendu. Et Berardi qui a bien fait ses preuves, ma foi, de la meilleure des manières possibles. En ayant marqué un doublé. C'est Villalva l'homme du match. Pourquoi donc? Deux passes décisives et un but. Effectivement. Berardi, c'est Lijon qui a fait la dernière passe décisive. Voilà, Berardi 8-9 pour son premier match, franchement, impeccable. Et c'est vrai que la défense, elle a été un petit peu moyenne. Hein. Ça s'est vu, mais on a quand même remporté. Et on jouera contre Montpellier, un final de la Coupe de la Ligue. Et on va surtout gagner une belle dotation compétition qui fait plaisir. Alors, on a des trucs. Transfert accepté, oui, parce que ça n'avait pas fait du coup, comme j'ai eu le bug. 500 000, on a eu... Donc, 45 000 pour 4 ans, et tu serais un titulaire important. Ça te va? Mon rôle dans le club, c'est qui? Cantero. D'accord. Nacho Fernandez, je t'emmerde. Morica Lopez, je t'emmerde. Bah, c'est bon, c'est fini? Bah, les garçons, faut être meilleurs. Hein. Qu'est-ce que... Proposition de transfert, Alassane Touré. C'est impeccable, ça. Tout le monde m'achète mes Roger, ça fait plaisir, j'accepte. Rapport mensuel. Alors oui, donc on s'est fait voler deux personnes. Hein. Bon, c'est pas trop grave. Alors, c'est les derniers qui m'ont... Un gardien, qui est pas très... Il a pas l'air d'avoir un bon potentiel. Un défenseur, plutôt, qui fait 2 mètres. Jordan Diakaté. Un autre comme ça. Et Samir Dalé, qui n'a pas l'air très bon. 1,81. Frank Kurzawa. Et on a un Jordan Diakaté qui sera dans les défenseurs. Accélération, il m'a l'air plutôt intéressant. Garçon là, on va le recruter. Ah merde. Alors, qu'est-ce qu'on peut virer? Est-ce qu'on a des gens qui sont mauvais? On a un 68 là. Libérer jeune joueur. On a un 77. On a un 74 ici. Celui-là il sera bon. Ah, celui-là on a un mauvais là. Libérer jeune joueur. Et on a un 77 là. Un milieu. Organisateur, on va le garder. Donc du coup on disait Frank Kurzawa, ce garçon là, on va le recruter. Et on Jordan Diakaté, allez on va le prendre aussi. Et ce sera tout. Et conférence de presse, donc contre Bordeaux, ce qu'on va faire c'est qu'on sera en Ligue 1, donc on va louer notre équipe, hein, on continue à louer notre équipe. Et toujours pas de nouvelles. C'est aujourd'hui le dernier jour, donc on va sélectionner nos gens.
On va sélectionner nos gens pour. Ça me paraît plutôt bien déjà ce qu'il y a, Nasri, blablabla, blablabla. Imbula, je l'avais pas utilisé. On va reprendre un villa. Retenter le même villa. Anthony Martial qui m'a donné une très très bonne impression, donc on va le garder sans aucun souci. Karim Benzema, on est dans les matchs amicaux, donc tu vas, mon grand garçon, je suis désolé. Tu vas partir. Gomis, on l'a déjà essayé. Johan Molo, on l'a déjà essayé. Loïc Rémy, on l'a déjà essayé. Romain Hanouna, Kevin Gamero. Jérémy Ménez. André-Pierre Gignac. Ben Yedder. Nolan Roux. Johan Couffran. Ben Yedder, c'est quoi ces stats? Il est censé être rapide, Benzema. Ah ouais. Ah, j'aurais pas dit, moi. En le voyant jouer. Gignac. Il a 30 ans, le petit Gignac. Jérémy Ménez. Il a 28 ans. Ils ont à peu près pareil. Alors, combien tu as de finition? 71-88, Benzema. Bon. Est-ce qu'on leur relaisse sa chance à Benzema? Ouais, Olivier Giroud, il est pas mal aussi. Donc, allez, on va laisser comme ça. On va sauver cette équipe, tant pis. Et on verra bien. Et donc, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Il était déjà assez long, hein, à cause de Mercato, comme toujours. Et là, de toute façon, après ce match contre Bordeaux, ça sera le dernier jour du Mercato. Tiens, on nous a décalé un match parce qu'on a le 8ème de finale contre Sochaux en Coupe de France. Et après, on a trêve internationale et la Juventus arrivera assez vite. Prochain match, on aura donc Bordeaux, Sochaux et les matchs amicaux. Et le match contre Lorient. Et le match d'après, eh bien, on aura la Juve. La Juve aller, Saint-Té, Bastia. Et voilà. Et on verra bien comment ça se passera. C'est les huitièmes de finale. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Je veux dire, on n'est pas déjà en quart quand même. Donc voilà, on va se laisser ici pour cet épisode. Je vous dis merci de m'avoir regardé. Mettez-moi un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À commenter si vous voulez. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur FIFA 14 ou sur un autre jeu. Ciao.